bien la laine de Bachou, tout l'argent me reviendra, n'est-ce pas? C'est bien toi qui l'as élevée. Qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Je n'ai jamais eu d'argent auparavant. Regarde-le, il a l'air fatigué. On m'a dit que je pouvais trouver de l'aide à la Mecque. Et tu l'as trouvé. Siham! Papa, où tu vas? On ne peut pas s'en aller comme ça. Sans doute cet homme a besoin d'aide. Mais, et Bachou alors? Souviens-toi de ce que dit le Coran sur la charité, Siham. Vous n'adorez plus que Dieu. Et vous ferez du bien aux deux géniteurs, aux proches, aux orphelins et aux miséreux. Si nous ne suivons pas ces préceptes, nous ne vaudrons pas mieux que ceux qui ont gouverné cette ville par le passé. Tu sais, Siham, la Mecque était différente à l'époque. Des centaines d'idoles entouraient la Kaaba. Et la vie n'était pas facile pour les pauvres comme moi. Merci, monsieur. Donne-moi ça. Lorsque je prête de l'argent, je m'attends à ce que l'on me rembourse. De grâce, j'en ai besoin. Ma famille meurt de faim. Tu aurais dû y penser plus tôt. Hey, attrapez-le! À la Mecque. Vous venez tous de loin. Souvenez-vous, soyez prodigues dans vos offrandes, très prodigues, et les dieux vous béniront. Quoi? Oh, divine Shazar, je t'offre tout ce que j'ai. Tu es payé pour astiquer, non pour prier, Soumaya. C'est la saison du pèlerinage. Je veux que tous ces dieux brillent. Oh, Mecque, ton nom est bonté, et ta vertu est un bourgeon qui fleurit au soleil. Je vous ai payé. À présent, je veux une réponse. Patience, Ray. Il ne faut pas précipiter la prophétie des arbalètes divines. Oh, bien vu, Sway. Vas-y, fais ce que tu as l'intention de faire. Les arbalètes disent que tu parviendras à tes fins. Aux voleurs! Oh! Tu sais débusquer les meilleurs esclaves, Maya. De grâce, affranchissez-moi. Oh. Je l'achète. Bilal. Oh. Souviens-toi, ton corps peut leur appartenir, mais ton âme est libre. Elle n'appartient à personne. Toi, dégage. Essaye encore une fois, petit. Mais souviens-toi, si tu perds, tu es mon esclave. Oh, non! Tu m'appartiens! Merci. Lève-toi et va-t'en d'ici. Regardez tout ce monde. Jamais saison de pèlerinage n'a été aussi réussie. Quelle chance que tous les dieux soient ici à la Mecque. Certains pèlerins ne sont pas très malins. Ils payent deux fois le prix de la marchandise. Non, 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 c'est vrai. On serait idiots de ne pas hausser nos prix. Et la charité dans tout cela? Tous ces pèlerins sont venus visiter un lieu saint. Dans le temps, on s'enorgueillissait de leur fournir l'eau et le couvert. Mais à présent,
Il semblerait que l'on soit fier d'exploiter leur foi. Je ne veux rien entendre. Du calme, Abu Jahal. Abu Talib est notre chef. Oui, c'est aussi mon frère. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester là à écouter ces accusations mensongères. Les pèlerins ont besoin de nous pour finir leur pèlerinage. Nous valons 10 fois ce que nous prenons. Il croit qu'il a le droit de nous sermonner juste parce que son clan s'occupe de la Kaaba. Les choses doivent changer. Prends garde, Abu Talib. Les changements ne sont pas toujours sans risque. Abu Talib ne savait pas encore que son neveu, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, allait changer le cours de l'histoire. À l'âge de 40 ans, celui-ci se retirait souvent dans une grotte à l'extérieur de la ville pour prier et méditer. L'injustice qui régnait à la Mecque le désolait. L'esclavage, les mauvais traitements infligés aux femmes, la cupidité, les jeux de hasard, les sacrifices des bébés et la vénération de dieux de bois et de pierre au lieu du Dieu unique, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Et un jour qu'il était dans la grotte, soudain, il fut entouré de lumière. Et l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis, dit l'ange. « Je ne sais pas lire, répondit le prophète. » L'ange Gabriel répéta alors 3 fois de suite, et à chaque fois la réponse était la même. Alors l'ange Gabriel lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur le très généreux, qui enseigna avec le calame, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait point. » Et l'ange disparut. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fut saisi de tremblement et sortit de la grotte en courant. Alors qu'il descendait de la montagne, Gabriel lui apparut de nouveau et lui dit « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Partout où il tournait le visage, il voyait l'ange Gabriel lui répéter ce message. « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Quand l'ange disparut, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, rentra chez lui. Une fois à la maison, il tremblait encore. Il demanda à Khadija, son épouse, de le couvrir et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait eu peur pour lui, peur d'être possédé par un mauvais esprit. Mais Khadija le rassura et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais, toi qui dis toujours la vérité et assiste les nécessiteux. » Puis, elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Nawfal, qui était un grand sage, et lui raconta ce qui s'était passé. « Ton mari est le prophète de Dieu, mais son peuple l'accusera de mensonges et de bien d'autres maux. Oh, et il sera chassé. » Malgré les mises en garde de son cousin, Khadija crut son mari et n'hésita pas à devenir la première de tous les croyants. Et nombreux furent ceux qui lui emboîtèrent le pas. De plus en plus de rumeurs circulent sur les réunions secrètes de Mohammed. De grâce, Abu Jahl. Mais il enseigne quelque chose. Je ne sais pas quoi au juste. Mais son fils adoptif Saïd et son cousin Ali l'ont déjà rejoint. Et alors, il ne s'agit que de sa famille et de quelques esclaves. Mais il doit être châtié. Pourquoi? Parce qu'il enseigne quelque chose de différent. Écoute, si ses partisans étaient des gens influents, si ses enseignements étaient dangereux, je me serais jeté sur lui comme un aigle. Mais ce n'est que Mohammed Abu Jahl, Al-Amin, l'honnête. Le prophète,
bénédiction et salut de Dieu sur lui, prêcha en secret pendant 3 ans. Et c'est durant cette période, Siham, que j'entendis ses enseignements pour la première fois. Tu es sûr qu'on ne craint rien? Tu dois l'écouter, maman. Soyez sans crainte, Jalila. Dépêchez-vous d'entrer. Il y a plus de gens que d'habitude. Merci. Où vas-tu comme ça tous les soirs? Je vais écouter le prophète de Dieu. Quel bonheur que celui d'écouter les enseignements de l'islam de la bouche du messager de Dieu. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Il nous a offert les plus belles paroles que nous ayons jamais entendues. C'était la révélation du Coran. Il nous a appris que les dieux de la Mecque n'étaient que des pierres, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus, que nous devions renoncer à tout pour lui, qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune différence entre riches et pauvres, esclaves et libres, et que nous étions tous égaux. Il nous a dit, « Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. » Le plus noble d'entre vous pour Dieu est le plus pieux. Que les femmes étaient les créatures de Dieu et qu'il fallait les respecter au même titre que les hommes. Que la terre était un don de Dieu et qu'il fallait la préserver. Que chacun serait jugé selon ses actes. Nombreux sont ceux qui se convertirent cette nuit en prononçant une simple phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Tu ne vas pas le croire, Amhal. Il dit que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Il faut que tu m'emmènes le voir. Je savais que tu allais réaliser le danger que représentent ces enseignements. Bien sûr, je comprends. Il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter, Mohammed. Quoi? Bilal, reviens. Tu seras fouetté. Ils peuvent fouetter mon corps, mais pas mon âme. Très bien. Alors, laisse ton âme là-bas, mais ramène ton corps ici. Que sais-tu, toi, de Mohammed? Je sais que c'est un prophète. Prophète? Tu entends? Ça se propage comme une traînée de poudre. Les dieux te puniront pour ce que tu dis, Bilal. Mohammed dit que vos dieux sont sans pouvoir. Hein? Sans pouvoir? Sans pouvoir, me dit-il. Un esclave ose me dire que les dieux sont sans pouvoir. Vous croyez toujours que les enseignements de Mohammed sont inoffensifs? Notre neveu se moque de nos dieux, Abu Talib? Nous aussi croyons en un Dieu tout-puissant. Oui, mais nous ne disons pas que les autres ne valent rien. Mais il est inoffensif. Ceux qui l'écoutent sont seulement les pauvres et les faibles. Ils ne sont pas les seuls. Ils ont été rejoints par Abu Bakr. Et oui, son meilleur ami nous a abandonnés et l'a rejoint. Mais ce n'est qu'un seul homme. Non! C'est l'étincelle qui menace de tout embraser. Et il faut l'éteindre. Oui! Si les enseignements de Mohammed deviennent populaires et les dieux sont abolis, il n'y aura plus de pèlerins. Et sans pèlerins, nous n'existerons plus. Le messager de Dieu a lancé un avertissement. Quoi? On attaque la Mecque? Je ne sais pas. Viens! Soumaïa, viens vite à la Kaaba! Vite! Yassir, dépêche-toi! Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Ah! Le voilà! Allez, monte! Tu vois le messager de Dieu, Houda? Là! Il va parler! À ce moment-là,
le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « Ô habitants de la Mecque, si je vous dis qu'une armée se cache derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croirez-vous ?»« Nous croyons tout ce que tu dis, Mohammed. »« Tu as toujours dit la vérité. » Il poursuivit. « Ô habitants de la Mecque, je vous en conjure, délaissez vos dieux et vénérez le seul et unique Dieu. Épargnez-vous les feux de l'enfer, car je ne peux éloigner de vous le châtiment divin. Je suis celui qui voit l'ennemi s'approcher et qui, pour le salut de son peuple, court le mettre en garde contre l'imminence du danger. Notre neveu est en train de se moquer de nous. Arrête-le, Abu Talib. Au diable, Mohammed, tu nous as convoqués pour ça. C'est merveilleux. Tu crois cet homme? Oh oui, toutes ces paroles. Il descend la colline. Allons le rejoindre. Tu as trahi la Mecque. Tu as trahi la Mecque. Nous vous protégerons, ô messager de Dieu. Comment osez-vous insulter les dieux? Quitte la ville! Joignez vos bras. Ne les laissez pas attaquer le prophète. Restez ensemble. Empêchez-les de passer. Tu ne peux pas faire ça, Bilal. Si le messager de Dieu ne prêche plus dans la clandestinité, je ne le suivrai plus en secret. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, ne me dis pas. Mon esclave se serait-il converti à l'islam? Mon corps peut appartenir, mais mon âme... Laisse-moi deviner. Tu crois que ton âme est libre? Non. Mon âme est aussi esclave, mais pas à toi. À Dieu. C'est là où tu te trompes, Bilal. Tu m'appartiens en entier. Tes idées, tes pensées, ton âme, tout m'appartient. Tout m'appartient. Dis-le. Renie la religion de Mohammed. Dis que ton âme m'appartient. Dis-le, Bilal. Dis-le, Bilal. Dis-le. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son prophète. Voyons un peu ce que te dira sous la torture. Viens avec moi. Oh oui. Renie la religion de Mohammed. Bilal? Dieu est unique. Dieu est unique. Dis que ton âme m'appartient et je retire ce roc, Bilal. Dieu est unique. Dis-le. Je viens de la part d'Abu Bakr. Il veut acheter cet homme. Dis-moi ton prix. Très bien. 10 pièces d'or. Tu crois avoir conclu un bon marché, hein? Dis à Abu Bakr que ce misérable esclave ne vaut pas plus de 3 pièces. Il était prêt à en payer 100. Mohammed continue de prêcher et de convertir nos pèlerins en dépit des tortures. Comment ? La réponse tient en un mot. Il s'agit du Coran. Quoi ? Sa prétendue révélation ? Ce ne sont qu'hallucinations et bobards ! Sauf ton respect, Abu Jahl, les révélations de Mohammed ne sont ni des hallucinations ni des bobards. Ce sont des mots puissants et simples qui ne sont pas de ce monde. Magique. C'est la seule explication raisonnable. Eh bien alors, nous devons l'empêcher d'utiliser sa prose magique
contre nous. Abou Talib, nous te respectons beaucoup. Mais nous t'avons demandé maintes fois d'arrêter les prêches de ton neveu. Mais tu n'as rien fait. Il menace la paix à la Mecque. Quelques années auparavant, il avait réinstauré la paix à la Mecque. À l'époque, tu avais loué sa sagesse, Abou Jahl. Vous vous rappelez le temps où on faisait reconstruire la Kaaba ? Nous nous battions pour voir qui poserait la pierre noire. Mais Mohammed est venu et... Il faut que tu comprennes. Abou Jahl ? Arrête-le ou quelqu'un d'autre le fera. Dehors ! Tu veux provoquer la zizanie au sein de Quraysh ? Sors ! Tu vois où nous en sommes, Abou Talib. Il est de plus en plus difficile de préserver la paix. De grâce, parle à ton neveu. Pour la paix à la Mecque, je lui parlerai. Mohammed, ferme la porte et entre. Viens, assieds-toi. Mon cher neveu, Quraysh, demande que tu arrêtes de prêcher. Si tu ne le fais pas, je crains de ne pouvoir te protéger. Je suis vieux, Mohammed. Je ne peux combattre ces gens, ma famille, ma propre tribu. Des gens que nous avons connus toute notre vie. Tes enseignements sont-ils importants, Mohammed, au point de devoir y laisser nos devis et de mettre la ville à feu et à sang? Au nom de la paix à la Mecque, arrête de prêcher. Ces propos attristèrent Mohammed. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Mais il répondit : Devrait-on me mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche ? Je n'arrêterai pas de prêcher. Je continuerai jusqu'à ce que la parole de Dieu prévale. Dussé-je y laisser mon âme ? Mohammed, dis et fais ce que bon te semble. Ton oncle ne t'abandonnera jamais, ni maintenant, ni aussi longtemps qu'il vivra. Mohammed fait partie de notre clan. Nous devons nous tenir près de lui et le protéger, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Pourquoi s'opposer à toute la Mecque pour un seul homme ? Parce qu'il est notre neveu. Et parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est le grand Hamza qui parle. Heureusement que tu manies bien l'épée, mon frère. Parce que Mohammed va t'obliger à l'utiliser. Mais moi, je n'ai pas l'intention de mourir pour lui juste parce qu'il prétend avoir vu un ange. Mohammed continue de prêcher. Envers et contre tous nos efforts. Je t'en supplie, arrête-le avant qu'il ne détruise tout. Il arrive. Il prie. Infidèle ! Je ne te laisserai pas détrôner nos dieux. Hérétique ! Comment oses-tu me tourner le dos ? Tu es de retour. De quoi s'agit-il ? Abou Jahl a insulté ton neveu. Il a dit des choses horribles devant toute la ville. Et qu'a fait mon neveu ? Rien. Il est juste parti. Il a essayé de prier ici ce matin même, mais je l'ai chassé. Si tu veux te battre contre quelqu'un, que ce soit contre moi, espèce de lâche. Comment oses-tu insulter Mohammed alors que nous sommes de la même religion ? Non.
Je ne savais pas que tu étais un disciple de Mohammed. Je le suis maintenant. Fais ce que tu dois faire. Ce que tu enseignes est vrai, mon neveu. Je l'ai ressenti dans chacune de tes paroles. C'est pourquoi je peux le dire, il n'y a de Dieu qu'Allah, et tu es son messager. Punissez-les! Par ici, on va les attraper! Où les emmenez-vous? Arrêtez! Arrêtez! Lâchez-la! Où est mon mari? Oublie ton mari! Renie Mohammed et reconnais les dieux! Sinon, tu mourras! Allez! Non! Non! Allez! Allez, maman, dis-le! S'il te plaît, dis-leur ce qu'ils veulent entendre! Écoute ton fils, Soumaya! Dis-moi la vérité, Amar! Serais-tu prêt à renier Dieu et son prophète rien que pour vivre? Je... Moi non plus. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Tu te moques de moi! Tu viens de prononcer tes derniers mots! Oh, non! Les premiers martyrs de l'islam. Pauvre Soumaya. Pauvre Yasser. Dieu merci. Amar est toujours vivant. Comment va-t-il? Le prophète le console de son mieux. Mais il craint pour nos vies. Il nous demande de nous réfugier en Abyssinie. En Abyssinie? Elle est gouvernée par un roi chrétien. Un homme juste qui nous permettra de vivre en paix. On m'a demandé de prendre la tête du groupe. J'aurai besoin d'hommes forts pour m'aider. Vas-y, Malek. Ne t'inquiète pas pour nous. Éloigner avant qu'il ne découvre notre absence. Ils sont probablement en Abyssinie déjà. Demande à Khaled de prendre quelques hommes et de se lancer à leur poursuite. Il faut absolument les ramener et les punir pour que tout le monde sache que la rébellion ne sera pas tolérée à la Mecque. Voici mon collier le plus cher. Il est à toi. À présent, récompense-moi pour ma générosité. Excellent travail. Je vois que tu connais le roi d'Abyssinie. Oui, je le connais très bien. Parfait. Ceci est un cadeau pour lui. Oh. Tu auras ta part si tu parviens à le convaincre de nous livrer les musulmans. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien moi. Ah, ça me fait plaisir de te revoir, Amr. Tous ces présents sont à toi. Ta générosité me comble.
tu mérites encore plus. Si je comprends bien, tu viens ramener ces quelques hommes qui ont quitté votre ville. Des rebelles, Majesté. Ils ont semé le trouble dans notre cité et ils en feront de même dans la tienne. Laisse-moi te rendre un service en les ramenant chez eux. Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils ont créé une nouvelle religion qui vise à détruire toutes les autres. Qu'as-tu à répondre, Majesté? Incline-toi devant le haut. Je ne m'incline pas devant les hommes. Je ne m'incline que devant Dieu. Vous voyez, Majesté, l'anarchie s'installe. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est leur attitude devant Dieu, pas devant moi. Continue. Il y a quelque temps, Majesté, nous vivions encore dans l'ignorance absolue. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a demandé de vénérer un seul Dieu et de toujours dire la vérité. Il nous a demandé d'aimer nos parents et de prendre soin d'eux, d'aider notre prochain et d'être généreux avec les nécessiteux. Il nous a enseigné que nous ne faisions que passer sur cette terre, que tout ce qui nous entourait, la terre, même nos corps, étaient des dons de Dieu et que nous devions en prendre soin. Et qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu pour répondre de tous nos actes. Ce qu'ils enseignent, Amen, c'est l'évangile de Jésus. Non, Majesté, ils ne respectent pas votre religion. Ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais qu'il est un homme ordinaire. Nous disons de Jésus ce que le prophète nous a enseigné. Qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, sa parole et son esprit qu'il a envoyé à la Sainte Vierge. Nos croyances et vos croyances sont comme ces deux faisceaux lumineux. Ils sont séparés, mais ils partent d'une même source. Je ne vous livrerai jamais, même pour tout l'or du monde. Vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et toi, Hammer, tu peux reprendre tes présents et retourner à la Mecque. Abu Jahl. Abu Jahl. Deux riches pèlerins pensaient qu'ils pouvaient me battre au jeu. Mais j'ai gagné tout leur argent. C'est vous deux que j'ai battu au jeu? Le neveu d'Abu Jahl, Omar ibn al-Khattab, s'est converti à l'islam. Omar? Omar le Grand? Le puissant? Oui, Omar. Oui. Non, pas Omar. Il semblerait qu'il ait entendu le Coran. La splendeur de ses paroles aurait purifié son cœur. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Oh Dieu, écoutez-moi. Nous ne pourrons rien contre les musulmans. Peut-être pourriez-vous nous aider. Toi, espèce d'imbécile. Qu'il soit frappé par la peste. Oh, arrête. Mais c'est ça. Tu l'as trouvé. Moi? Nous allons les traiter comme des parias. Nous les couperons de tout. Génial. Comme ça, ils s'en iront et répandront leurs mensonges dans toute l'Arabie. Oh non. Ils n'iront nulle part. Nous les laisserons ici. Jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim. De faim? Mais comment? Nous signerons un décret, et nous l'accrocherons sur la Kaaba. Selon ce décret, il sera interdit à quiconque de vendre ou d'acheter quoi que ce soit aux disciples de Mohammed ou de ceux qui le protègent, de contracter des liens de mariage avec eux, ou même de les aider. Ils seront traités comme des parias dans toute la Mecque, jusqu'à ce que Mohammed réalise son erreur.
Merci, Mohammed. Les musulmans ont été boycottés. Et la plupart avaient peur de rester dans leur propre maison. Pour leur survie, ils se réfugièrent dans la montagne. Merci. Je suis désolé. C'est tout ce qui reste. J'ai toujours faim, maman. Je sais, ma chérie, je sais. Papa, peux-tu rejoindre Malik en Abyssinie? Ils ne me laisseront pas partir, mon fils. Tu penses que Malik est au courant de ce qui nous arrive? J'ai envoyé un message, mais je n'en sais rien, Hadi. Tu ne peux pas partir maintenant, Malik. Pas tout seul. Je ne peux pas rester ici alors que ma famille souffre. C'est tout ce qui reste, Amar. L'épouse du prophète, Khadija, a vendu tout ce qu'elle avait pour acheter ces quelques provisions. Elles ne dureront pas longtemps. Qui aurait dit que le blocus aurait duré 3 ans? Tu es faible, messager de Dieu. Je sais que l'islam nous enseigne la patience et la persévérance, mais tu ne peux pas continuer à donner ta nourriture aux autres. Qu'y a-t-il? Dis à Mohammed que je transmettrai son message à Quraysh. Tu as l'air fatigué, Abu Talib. Je vais bien. Ça me chagrine de te voir dans cet état, Abu Talib. J'en doute. Si je meurs, tu prendras ma place à la tête de ce conseil. Et il sera plus facile pour toi de régler tes comptes avec Mohammed, non? Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'ai à vous dire vous fera plaisir. Mohammed m'a fait une révélation. Si elle est fausse, vous êtes libre de faire de lui ce que vous voulez. Mais si elle est vraie, vous arrêtez de le boycotter, lui et tous les musulmans. De quoi s'agit-il? Écoutez, le décret de boycott que vous avez signé et accroché sur la Kaaba a été rongé par les insectes, à l'exception des mots suivants. Au nom de Dieu. Maman. Juste à temps pour rentrer à la maison. Les musulmans connurent des temps meilleurs. Une petite intervalle de paix. Oh, c'est merveilleux. Merci, Jalila. Malek? Jalil, viens vite. La femme du prophète est malade. Khadija? Oh non. Vas-y, Jalila.
Ils ont vécu 25 ans ensemble. Elle était la mère de ses enfants, la mère de tous les croyants, sa confidente. Cette époque fut désignée par l'année du deuil. Car Abou Talib était mourant lui aussi. Approche-toi, Mohammed. Quraysh m'a demandé une seule chose avant que je meure. C'est de te faire promettre de laisser leur religion en paix. Nous n'attaquerons plus ta religion, si tu acceptes de faire de même pour nous. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « J'accepte ». Tu as entendu ? C'est fini ! Mais il ajouta aussitôt « Tout ce que je vous demande, c'est un mot. Si vous le prononcez, vous régnerez sur l'Arabie et la Perse. » Parle alors ! Répétez avec moi qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et reniez tous les autres. Oh, neveu, j'ai su, lorsqu'on t'a fait venir chez moi, tout enfant, j'ai su que tu étais différent. Et tu l'es. Tu l'es. Mon heure est arrivée enfin. Désormais, je suis votre chef. Oui, de nom seulement. Comment ? Tu peux te proclamer roi si ça te chante. Mais n'essaye jamais de me contrarier. Bien, à présent, attelons-nous au premier problème. Les musulmans ? Non. Mohammed. Pas de les voir prier et circuler en toute liberté. Du calme, Abou Jahal. Les mots réussissent souvent là où l'épée a échoué. Ah, nos poètes ! En ce moment, ils dressent le peuple contre Mohammed. Même Abou Lahab s'est mis de la partie. Prenez garde, amis qui venez de loin. Mon neveu, là-bas, est un révolutionnaire né. Révolutionnaire ? Il se prétend prophète. Mais ce qu'il veut en réalité, c'est devenir notre roi. Notre roi. Révèle-toi-le. Quand Mohammed nous insulte et insulte nos dieux en disant que ce ne sont que pierres muettes, il ne vous attaque pas seulement à vous. Il attaque aussi vos ancêtres. Il dit qu'ils étaient méchants et bêtes. Allons-nous supporter pareille insulte ? Non, jamais. Les tortures ne vont pas tarder à recommencer. Et maintenant, Abou Talib n'est plus là pour nous protéger. Nous n'avons aucun refuge. Bilal, n'est-ce pas ? Oui, on se... Je m'appelle Bara. Je suis venu l'année dernière avec 12 personnes pour écouter le prophète. Vous étiez venu de Yathrib ? Nous suivons l'islam maintenant, de tout notre cœur. Tu as entendu ? 12 croyants à Yathrib. Non, des centaines. Et le prophète doit venir à Yathrib. Nous. Ne dis rien maintenant.
Le messager de Dieu vous rejoindra à Aqaba ce soir. Oh, messager de Dieu, s'il vous plaît, dites que vous viendrez à Yathrib. Notre ville est le théâtre d'une guerre fratricide. Et vous seul, avec votre message, pouvez instaurer la paix. Dites que vous viendrez. Si vous le faites, nous vous promettons de vous protéger et de vous défendre. Dieu nous a montré le chemin, ô messager de Dieu. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, accepta et nous demanda de partir pour Yathrib. J'ai trop peur de voyager la nuit. Le prophète ne veut pas que quelqu'un sache que nous partons. Pourquoi ne partons-nous pas avec les autres? Chut. On ne peut pas partir tous à la fois. Ce serait trop risqué. Allons-y. Des musulmans sont partis, mais Mohammed est resté pour protéger ceux qui sont restés derrière. Maintenant, il est grand temps pour nous de décider ce qu'il faut faire de Mohammed. Jetez-le en prison. Non, il faut le condamner à l'exil. Oui, oui. Emmenez-le aux frontières du désert et abandonnez-le. Laissez-le partir. Il est sorti de la Mecque. C'est ce que nous voulions, non? Pas s'il parvient à bâtir un empire à Yathrib. Et si nous... Tuez-le. Hein? Mais ce l'assassin aura tout le clan de Mohammed à ses trousses. Et d'autres aussi. Qui va le tuer? On n'a jamais dit que ce serait une seule personne. Choisissez un jeune homme de chaque clan. Et que ce soit un meurtre collectif. Ainsi, le sang de Mohammed sera sur les mains de tous. Alors là... on ne pourra plus parler de vengeance. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, eut vent de leur complot. La nuit, il demanda à son cousin Ali, bénédiction de Dieu sur lui, de coucher dans son lit, sachant qu'il ne lui arrivera aucun mal. Il est à l'intérieur. On attaque? Non. On attend qu'il quitte la maison pour la prière du matin. Et puis... à la tombée de la nuit, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit à prier. Un à un, les assassins s'endormirent. Et se réfugièrent dans une grotte. Oh, vous attendez tous Mohammed? Je l'ai croisé il y a quelques heures alors qu'il sortait de la ville. Mais c'est impossible! Mais où est-il? J'offre 100 chameaux à celui qui le retrouve. Allez!
Par ici. Vers la montagne. Tu es sûr? Oh oui, je suis sûr. Dans quelques heures, les 100 chameaux seront à moi. À l'intérieur. Mais je ne vois aucune empreinte. Oh, crois-moi, il est à l'intérieur. Il ne peut pas être à l'intérieur. Tu ne vois pas la toile d'araignée et le nid d'oiseau. Imbécile! Cette même nuit, et avant de partir pour Yathrib, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, embrassa la Mecque du regard. Une ville pleine de souvenirs. Ses enfants y avaient vu le jour, et son épouse y était éteinte. Il dit : de toutes les villes de la terre, tu es la plus chère à mon cœur, et la plus proche de Dieu. Si mon peuple ne m'avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. Ne peut survivre aussi longtemps dans le désert. Peut-être que les nouvelles sont fausses. Ils l'ont probablement arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il viendra. Il arrive! Le prophète arrive! Première fois, nous pouvions prier sans crainte. Les journées étaient longues, pleines de durs labeurs, mais nous étions tellement heureux. Sois gentil, Roda. Écoute ce que dit la maîtresse, Hadi. Je reste pour aider papa et Malik à bâtir la mosquée. Ta leçon d'abord. Le prophète dit que tu dois apprendre à lire. Salut, papa. Papa. Je reste pour donner la leçon d'abord. Et donna beaucoup à son peuple. Incroyable. Je peux aller à la mosquée maintenant? Vas-y, Hadi. Et do. Donna. Oh, donna beaucoup. Pour la maîtresse de mes enfants. Oh, c'est très beau. Messager de Dieu, laisse-moi porter ça. Tu es le prophète. Tu dois te reposer maintenant. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a appris que tous les musulmans étaient des frères et des sœurs. Une seule et même communauté unie dans la prière. Il a rédigé un document selon lequel tous les habitants de Yathrib étaient égaux, indépendamment de leur religion ou de leur race. Regardez,
C'est quoi? Il nous appelle à la prière, Jalila. Maman, sommes-nous le peuple le plus heureux de la terre? Qu'en penses-tu? Je crois que oui. Parce que... Yathrib a été désignée par la ville du prophète. Al-Madina. Ah, et voilà. Voilà. Nous avons saisi tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Très bien. Nous prendrons leurs affaires à Damas et nous les vendrons jusqu'au dernier morceau. Tout ça nous appartient maintenant. Ils se sont emparés de toutes nos affaires. Ils vont les vendre à Damas, puis retourner à la Mecque avec des paniers pleins d'or. Ils nous empêchent toujours de gagner nos vies. Et de nouveau, nous crions famine. Oh, messager de Dieu, je sais que tu es contre la violence, mais... Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: nous irons à la rencontre de la caravane et nous reprendrons ce qui nous appartient. Mohammed a quitté Al-Madina à la tête de 300 hommes pour attaquer la caravane. Va à la Mecque. Et dis-leur de dépêcher une armée le plus tôt possible pour protéger ses richesses. Nous retournerons chez nous par la route côtière. Notre armée prend la route ce matin. Et tu vas te battre à ma place. Je ne le ferai pas. Prends ma place et tu seras acquitté de ta dette envers moi. Refuse et je te tue à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Enfin! Boujaral est à deux jours de marche du camp des musulmans. Dis-lui de rentrer. Je suis hors de danger. Nous sommes trois fois plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas assez. N'oublie pas qu'il va se battre contre Mohammed. Dis-lui de rentrer à la Mecque. Par tous les dieux, je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour retourner. Non, pas avant d'avoir vu Mohammed mort. Quand le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, sut que nous allions avoir affaire à une armée entière, il fit appel à ses amis et proches pour le conseiller. Comme je suis le dernier à prendre la parole, nous te suivrons, quoi que tu décides. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: allez-y et n'ayez crainte. Dieu m'a promis. C'est soit la caravane, soit la victoire sur le champ de bataille. Nous avons rencontré l'armée mécoise près des puits de Badr. Gardez mes lances et restez près de moi. Mais avant tout, aidez-moi à retrouver ce renégat de Bilal. La bataille commença conformément à la tradition. Hamza dégaina son épée et appela deux hommes pour le rejoindre. Obaïda, Ali. Thank you.
battent comme des lions. Bilal. Abou Lahab, tu es de retour. Je me suis acquitté de ma dette. Mais il faut que tu saches une chose. Dieu combat aux côtés de ton neveu. Aidez-moi. Personne ne m'aidera. De grâce. De grâce. L'imbécile! Je lui avais pourtant bien demandé de rebrousser chemin. La guerre n'est pas finie. Peu importe, Khaled. Nous avons perdu la première bataille. Maintenant, ils croient que Dieu est de leur bord. Souviens-toi de mes paroles. Il sera impossible de le vaincre maintenant. Mais ce n'est qu'un homme. Non! Toi, tu n'es qu'un homme! Les gens comme lui, ça n'arrive qu'une fois. Je jure par les dieux. J'utiliserai chaque sou pour le combattre. J'achèterai des armes, des chevaux, et Mohammed verra alors qui est le plus fort. Les Mekwa ont réuni une armée de 3000 hommes, et ils arrivent, et nous ne sommes que 700. Après maintes consultations, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « Nous rencontrerons l'armée ennemie sur la montagne Uhud. » Nous sommes prêts, messager de Dieu. Le prophète dit qu'il ne faut pas se retirer. Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas les laisser attaquer nos arrières. Maintenant. Non.
Mohammed est mort. Ne meurs pas, ô messager de Dieu. Entourez-le. Conduisez-le à la colline. Reculez. Ça a mal tourné. Est-il vrai que Mohammed est mort? Je l'ai vu tomber sous mes yeux. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous tenons notre revanche. Aujourd'hui, nos dieux ont triomphé. Nos morts sont au paradis et les vôtres sont en enfer. Vous pouvez croire ce que vous voulez, du moment que Mohammed est mort. Mohammed est vivant! Alors dites-lui ceci. Pour chaque homme que nous avons perdu aujourd'hui, nous en avons tué 4 des vôtres. Mohammed est vivant? Enfin, la Mecque a eu sa revanche. Finis tes sacrifices et viens, Abou Soufiane. C'est grâce à toi que nous avons remporté cette victoire. Mohammed est vivant. Et alors, nous avons tué Hamza et 70 autres. Viens, viens faire la fête avec nous. Comment osez-vous accepter la gloire quand ces mots sont toujours prononcés ? Mohammed est vivant. C'est décidé. Ce n'est plus une bataille entre les musulmans et la Mecque toute seule. Non. Tous les chefs de tribu jurent de ne pas connaître de répit avant que tous les Arabes ne se lèvent contre Mohammed. Jusqu'au jour où les mots « Mohammed est vivant » deviendront « Mohammed n'est plus ». L'islam est fini. Personne ne restera vivant. Je donnerai tout ce que j'ai pour que Mohammed soit mort. Mon Dieu, 10 000! Nous avons déjà vaincu des armées 2 fois plus nombreuses que nous. Même 4 fois plus nombreuses. Mais 10 000 hommes, jamais nous ne pourrons les vaincre. Ils se diviseront et viendront de toutes parts. Qu'en pensez-vous, messager de Dieu? En Perse, si nous craignions les menaces de l'ennemi, nous creusions des tranchées tout autour de nous. On n'a jamais fait une chose pareille dans toute l'Arabie. Il vaut mieux attendre. Trouvez le passage le plus étroit et guidez-y vos hommes. Maintenant! Maintenant! Essayez encore! Mais... Essayez d'entrer par un endroit et boucher la fosse par un autre. Nous avons essayé 30 jours durant. Les hommes sont découragés. Parle-leur alors. Tu es un bon orateur. Insuffle-leur du courage. Galvanise-les. Ça ne servira à rien. Ils pensent que Dieu est avec les musulmans. Très bien.
préparez-vous à une dernière grande attaque générale. À l'aube, de toutes parts. Et nous les écraserons tous. Dieu aidant, seul un nombre réduit de soldats traversera les tranchées et nous les repousserons avant qu'ils n'entrent dans la ville. Mais s'ils entrent dans les rues... Nous jetterons ça par les fenêtres. Oui. Roja, j'ai très peur. N'aie pas crainte. Si nous mourons, nous irons ensemble au paradis. Barricade la porte derrière nous. Maintenant, il est temps de prouver que nous sommes les plus forts. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit lui aussi à prier. Dieu, toi qui nous as révélé le Coran, ô juge. Quelle que soit la force qui protège Mohammed, détruisez-la. Disperse nos ennemis. Et prouvez à ces musulmans une bonne fois pour toutes que vous êtes invincibles. Disperse-les et qu'ils tremblent de frayeur. Et salut de Dieu sur lui, nous regarda et dit « J'ai rêvé que j'entrais à la Kaaba, clé en main. » Nous irons faire notre pèlerinage à la Mecque et nous prierons près de la Kaaba. Il vient ici ? Sans armes ?
Il sait que nous ne l'agresserons pas en plein pèlerinage. Toute l'Arabie se dressera contre nous. Qu'il meure ! Qu'il meure, ce Mohammed ! Nous n'y pouvons rien. Laisse-les entrer. Comment ? Quel affront, laisser Mohammed prier à la Mecque ? C'est fini. C'est fini. Je vais envoyer Souheil. Il leur promettra la lune. Pourvu que les musulmans n'entrent pas à la Mecque. Nous vous proposons un compromis. Un traité de paix. Nous vous promettons de ne pas vous en prendre à votre peuple et vous nous promettez la même chose. Pendant 10 ans. Et nous aurons le droit d'entrer à la Mecque et de prier à la Kaaba? Oh, bien sûr! À compter de l'année prochaine. Vous êtes retourné sans même entrer à la Mecque? Mais nous le ferons l'année prochaine. Et toutes les années suivantes, Jalila. Pendant 10 ans. Et pour 3 jours... chaque fois. Ah, 10 ans de paix. 10 ans. Oui. Et pendant ce temps, nous porterons loin le message de l'islam. Hiya. Pourquoi vas-tu à la Médina? Pour rencontrer Mohammed. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour me convertir à l'islam. Oh, j'ai cru que tu venais le tuer. Tu voulais le protéger? Nous ne pouvons plus le nier. Il est le prophète de Dieu. Je témoigne. Il n'y a de Dieu que Dieu, et tu es son messager. Et moi, je témoigne. Il n'y a de Dieu que Allah, et toi, Muhammad, tu es son messager. الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. Ils ont tué beaucoup de musulmans. Ils ont violé l'accord. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, décida. Il est temps de retourner à la Mecque. Oui, messager de Dieu. Nous sommes prêts, messagers de Dieu. À la Mecque ! À présent, c'est leur armée qui compte 10 000 hommes, avec à sa tête nos meilleurs combattants. Que voulez-vous ? Je suis venu parler avec Mohammed. Montre-moi tes mains. Tout de suite ! Je serais stupide de lui faire du mal maintenant.
Ça t'a pas arrêté dans le passé. Mais je viens en paix. Tu ne peux pas en vouloir à ces hommes. Ils sont inquiets, c'est normal. Ouais. Pardonne-nous. Nous avons été cruels et injustes. Nous avons tué, torturé, pillé. Mais nous ne voulons et ne pouvons plus te résister. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit : il n'y aura ni exécution, ni purge. La Mecque sera purifiée par l'esprit de l'islam. Ça, je n'en doute pas. Et c'est à mon tour de témoigner. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et toi, Mohammed, tu es son prophète. Je vais préparer la ville. Et je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui, malgré tous mes efforts, Mohammed est vivant. Que l'islam guide toujours nos pas. Et qu'il en soit à jamais ainsi. Tu es libre, mon ami, libre de corps et d'âme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Enfin de retour. Grâce à Dieu. Jamais, jamais je n'oublierai ce jour. Mon cœur débordait d'une joie indescriptible. Quelques années plus tard, à la Médina et suite à une courte maladie, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, mourut. Il avait 63 ans. Il a toujours vécu humblement, donnant tout ce qu'il avait aux pauvres. J'aurais bien aimé rencontrer le prophète et l'entendre parler. Oui, mais les paroles de Dieu sont toujours vivantes. Où vas-tu maintenant? Je ne le sais pas. Moi, je sais. Tu pourrais rester et travailler à la Mecque. Qu'est-ce que tu sais faire, monsieur? Oh, c'est merveilleux. J'avais un métier à tisser comme toi, mais je l'ai perdu. J'ai tout perdu. S'il avait un peu de laine, pourrait-il utiliser notre métier à tisser? Oui. Oui, bien sûr. Monsieur, vous pouvez avoir la laine de Bachou. Non, elle est
est à toi. Du tout. Elle est à toi maintenant. Viens, allons au marché ensemble.